Alors voilà, bonjour Alain. Ça va? Bonjour Thomas. Ça va? Ça va bien. Bonjour Thomas. J'adore les appels Alain. Ah ouais, c'est ça. Ah, rentre-toi. C'est Robert. Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, ça va comme ça. Les patins de l'oreille. Plus fort peut-être. Si on veut que, ça dépend si on veut que les gens entendent plus sur la place ou pas. Plus fort. Bonjour, vous êtes Morgan. J'ai le plaisir de faire la première lecture du premier jour de lecture, de 86 jours de lecture. Robert Walzer, sculpture. C'est vraiment un grand plaisir pour moi, puis je suis très contente. Zeeland. C'est un livre que Robert Walzer a écrit quand il était à Bienne, dans les années 1913-1917, je crois, si je ne me trompe pas. Il habitait à ce moment-là dans plusieurs endroits, mais notamment à la place centrale, dans le bâtiment, l'hôtel Croix-Bleue, dans une chambre de bonne, tout en haut. Et puis, j'ai choisi le texte qu'il a mis au milieu, qui s'appelle « La promenade ». C'est un texte. En vérité, cela m'intéresse encore plus encore que je ne saurais le dire de savoir, parmi tous les produits de la plume empilée ou exposée ici, lequel est ce fameux... Je veux le savoir aussi bien que... Alors, moi, je vais... Alors, j'ai avec Thomas. On organise maintenant un plan qui va être ici régulièrement. Moi, je vais venir 8 ou 10 fois jusqu'en super. Septembre. Donc, on va se revoir. Schon das erste Kapitel zog sich in die denkbar angenehmste Länge. Voilà. Vous êtes un modèle. Maintenant, ça c'est le R, U et H. Tout est en train de redémarrer. On va pas se stresser.
tout comprendre.